harbingers of war, with their nature revealed and our chances flowing by. If I can let the memory heal, I will remember you with me on that field. When I thought that harbingers of war.
process flowing by. If I can let the memory heal, I will remember you with me on that field. When I thought that I fought this war alone, you were there by my side on the front line. When I thought that I fought without a cause, you gave me a reason to try. Turn the page, I need to see something new. For now my innocence is torn. We cannot linger on this stunted view, like rabid dogs of war. I will let the memory heal. I remember you with me on that field. Got my brittle bones to break the fall. When the loving letters fade, it's like moving in slow motion, and we're already too late if we arrive at all. And then we're caught up in the arms race, an involuntary addiction, and we're shedding every value out of my first thought. So will you please show me your real face, draw the line in the, cause I only need your name to call the reasons why I fought. When I thought that I fought this war alone, you were there by my side on the front line. And we fought to believe bon, ça va pas rigoler. Resident Evil là, ça va être quelque chose. Un petit game capture. Hop. On va le lancer.
On va le configurer aussi. Ah oui, d'accord. Ok, je dois installer vidéo codec. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. J'espère qu'il n'y a pas explosé les oreilles. Ok, d'accord. Langue des voix. Ah non. Sous-titres, peut-être, ouais. Ok. Je suis un peu écran. Donc pour commencer, ah oui, si vous voulez. Voulez-vous regarder un résumé d'histoire des internationales sciences? Bien sûr, je peux faire le résumé. Ok. Par où commencer? Mon nom, c'est Ethan. Ethan Winters. Cette histoire chez les Baker, ça s'est passé il y a 3 ans. J'étais à la recherche de ma femme disparue. Elle m'avait envoyé un email. Salut Fred, merci pour les skins. Merci beaucoup. Je me demandais d'aller la chercher. Et c'est comme ça que j'ai atterri au milieu de nulle part, en Louisiane. J'ai retrouvé Mia alors qu'elle était retenue prisonnière dans un sous-sol. Salut Bad. Mais elle était plus la même. Elle m'a attaqué comme une bête féroce. Plus tard, j'ai découvert qu'elle avait été infectée par une sorte de moisissure. J'ai fouillé la maison à la recherche d'un antidote, d'un vaccin ou autre. Les gens qui vivaient là étaient eux aussi infectés. Ce qui restait d'eux n'avait plus rien d'humain. La source de l'infection était une arme biologique ayant la forme d'une petite fille. Elle s'appelait Evelyn. J'ai affronté cette famille de cinglés et j'ai réussi à soigner Mia avec un sérum. Et puis Chris Redfield et son équipe ont débarqué et nous ont sauvés tous les deux. Est-ce que ça ira? J'ai vraiment plus envie de parler de ce qui s'est passé. Non, mon grand, tu viens de partir. C'est terminé maintenant. Oui, j'adore ce jeu. Alors, est-ce qu'on a des options? Parce que déjà, moi, personnellement, je suis pas. Caméra, c'est pas ça, affichage. Pas être en fenêtre moi. C'est mieux. Paramètres de jeu, est-ce que j'ai. Ah oui, peut-être ici. On va descendre. Non. Non mais pourquoi? D'accord, j'ai pas trop le choix.
60. C'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Changer le nombre de dimanches par semaine. Ah oui, c'était 60, oui. N'importe quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Synchronisation verticale. Ok. Je pense qu'on est pas mal. Le son. On va baisser un peu. Utiliseur, l'angle c'est bon. Les commandes. Attends, je vérifie si. Ouais, ça c'est bien. Configuration des touches, ouais, ça n'a pas changé en fait. Ok. On est bon. On est parti. Tout le monde est arrivé. Allez, go. C'est que ce bordel, pourquoi ça m'a mis... Ah, ça m'a vendu ici. N'importe quoi. Nouvelle partie. Difficulté classique. Il y a bien longtemps, une petite fille s'en alla avec sa mère cueillir des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pied. Mais la forêt les accueillit avec un silence froid et pesant. Les buissons étaient vides. Déterminée à trouver des baies, la petite canaille lâcha la main de sa mère et disparut entre les arbres. Les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette courait, s'enfonçant de plus en plus dans la forêt. Commençant à se sentir observée, elle se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère et sa gorge devint toute sèche. Le seigneur des chauves-souris apparut. Il la salua chaleureusement et se mordit l'aile. « Viens, mon enfant, étanche ta soif, » dit-il. Elle but son sang noir et épais et sourit de bonheur. Tandis qu'elle traversait un cimetière, des nuages menaçants recouvrirent le ciel et l'air se glaça soudain. Maigrement vêtu, l'enfant frissonnait, mais un tisserand sombre apparut et d'un claquement de doigts, il transforma la brume en une robe magnifique. « Viens, mon enfant, réchauffe-toi, » dit-il. Elle enfila le vêtement et sourit de bonheur. Elle navigua sur des eaux profondes et sinistres à bord d'un bateau qui, espérait-elle, la ramènerait chez elle. Mais la faim resserra son emprise et son cœur s'alourdit. C'est alors que le roi des poissons apparut et lui offrit l'une de ses nageoires. « Viens, mon enfant, remplis ton estomac !» La fillette mangea et sourit encore une fois de bonheur. Continuant sa route, elle atteignit bientôt le cœur sombre de la forêt. Là, un destrier de fer apparut, paré d'un magnifique rouage en or. La créature ne dit rien quand la fillette s'approcha, pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau. Le cheval se mit en colère et appela les autres monstres. Le cœur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures. Soudain, vint une sorcière, ténébreuse mais majestueuse. Ah, mais c'est Resident Evil, mais il y a beaucoup qui disent que c'est pas Resident Evil. Hein. Plus tu en veux, grogna-t-elle. Maintenant, nous réclamons notre dû. En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Ça y est. Elle dort. Mais t'as pas des histoires moins flippantes? Elle a que 6 mois.
Selon la vendeuse, c'est traditionnel. Un conte local. Et puis, ça n'a pas l'air de gêner Rose. C'est surtout qu'elle comprend pas. Et heureusement, on s'est installé ici pour qu'elle grandisse sans tout ça, t'as oublié? Ma mémoire fonctionne très bien. Écoute, t'es trop parano. C'est juste... Non, laisse tomber, désolé. Mais je suis pas parano, je suis prudent. Dans ce cas, va prudemment mettre ta fille au lit. Je vais préparer le dîner. Oui. Tout va bien. Ta mère préfère oublier tout ça, mon cœur. Je peux pas lui en vouloir. Tu as dit quelque chose ? Rien, je vais la coucher. Ok. C'est parce que c'est figure. C'est là, c'est simple. Elle a peur de vouloir dormir, c'est clair. Dans sa chambre. Je vais la poser là, moi, au KGB. Pas un congélateur ? N'aie pas peur. Je l'ai dit à maman. T'es un peu petite pour ce livre. C'est pas là non plus. C'est bon ce truc. On y est presque, ma puce. Ça y est, j'ai trouvé. Et voilà, mon ange. Ne t'inquiète pas. Je suis juste en bas. Papa ne laissera aucun vilain monstre t'attraper. PC. On s'est encore disputé, mais moi j'ai eu mal à parler de ce qui s'est passé il y a 3 ans, ça fait sortir des secondes. Maintenant qu'on a pris chez nos pères dans cette nouvelle vie en Europe, on va en faire pour se consacrer à Rhodes. Donc ils ont déménagé, ok. J'ai quand même l'impression qu'une partie de moi a continué à tirer un trait sur ce qu'on a vécu en Wizard. Tu m'étonnes. Je sais que Mia n'aime pas en parler, mais est-ce qu'on peut vraiment tout oublier et faire considérer tout ça dont on avait existé? Je pense au contraire qu'on devrait faire face à notre passé pour nous construire notre avenir à la base. En tant que parent, on veut bien cela. Je suis sûr que Mia, elle est consciente, elle aussi, elle n'aurait pas explosé comme ça à l'hôpital si ce n'était pas le cas. Cas. Ok. La musique est quoi? Doudou? Ok. Pas étonnant que je devienne parano. La bombe photo. C'est pas mal foutu, non? Ça fait la transition entre le 7 et le 8. J'aimerais que ça reste toujours comme ça. Ok. Ensuite. Chose ici. Hein? Je vais juste ouvrir et fermer la porte. Alors. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Un débarras. Ok.
ressemble. Hein. J'aimerais bien savoir comment ils vont se retrouver dans cette histoire encore. Comment ça va évoluer ça. Et là. Ça a été. Elle dort comme un bébé. Mais ça sent bon, ça, c'est quoi? Eh, bats les pattes. C'est une chorba de légumes. Une recette locale. Waouh, tu t'adaptes vite, toi, hein, on dirait. Même le vin est du coin. Mais si c'est pour faire la tête toute la soirée, il vaut peut-être mieux que tu touches pas. Il faut vraiment que t'arrêtes de t'en faire. Je sais, ma chérie, mais... Te retrouver en Louisiane, la grossesse, Chris qui nous amène ici, l'entraînement militaire... Tout s'est enchaîné si vite. Mais au moins, on est ensemble. Toi, moi, Rose. Maintenant, je suis sûre que tu vas... Sérieusement? Tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane? Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Franchement, je comprends pas pourquoi t'es si... Mia, baisse-toi! Mia! Désolé, Ethan. Non! Putain! Pourquoi? Avance! R.A.S. Rose? Qu'est-ce que vous foutez avec ma fille? Nous l'avons. Emmenez-le. Je vous interdis de la toucher! Ethan, non. Sortez-le d'ici. Bien. Oui, docteur. Bonjour, monsieur Winters. J'ai les résultats de votre fille et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute, disons, jeudi prochain à 4h. Parfait. On y sera. C'était le docteur. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez, fais pas cette tête. On en a déjà parlé. Je sais. On ne parle quasiment plus que de ça. Et pour la énième fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète. Mais alors c'est quoi qui t'inquiète? Dis-moi, elle dira bien, j'en suis sûr. C'est ce qui compte, non? Et nous, dans tout ça, je tiens à toi. Tu vois pas que... Mais de quoi est-ce que tu me parles? Y a quelque chose que tu m'as pas dit? Vas-y, parle-moi! Merde. Faut que je réponde. Je sais pas, elle était porteuse du virus ou... Il y a un truc là. C'est... Salut, Chatoun. Chatoun. Où est Chris Redfield? Et Rose? Qui êtes-vous? Celle-ci est une évasion. On n'a pas encore compris.
Merde. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu te réveiller? Ah oui. Mais qui se foutait là, moi? Lourd usage. Objectif abattre la cible, récupérer le corps. Sécuriser Rosemary Winters et être Winters. Ok, transporter Winters, je pense que c'est pour des examens approfondis. D'accord. Salut, Yuki. Pas se baisser. Si. Si. Pas rentrer. Il n'y a pas d'armes, je suppose. Ok. Je pense que la Mia, elle avait encore du... Elle est encore... C'est pas complètement guéri. Je passe le plus clair de mon temps dans les forêts, en fait. Hein. Une trace de paille, il y a une... Ah, un grillage. Mort, deux corbeaux morts. Bon. Trois corbeaux, quatre corbeaux. Oh putain, il me l'a j'arrête de compter. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh, t'es pas mort. En fait, tes potes, c'est pas très propre. Cache tout. Il n'y a pas une arme, il n'y a pas un truc pour... Voilà.
Le pire. De plus en mieux. Un petit coup dans la cave. Ok. Le retour des concerts de Cornichon. Ils s'est mis les conserves dans Resident Evil. C'est quoi? Quoi? Putain, une boîte. Dedans, il y a du sang partout entre nous. Rat. Ça pue quand même. Et depuis, il fait jour. C'est clair que là, waouh. Oh là là, c'est bien foutu, hein. Bah, ça ressemble un peu à Transylvanie, quelque chose comme ça, quoi. Un truc Europe de l'Est, quoi. C'est vrai que c'est bien foutu, hein. Je crois que lui là, il se fait bouffer aussi. Côté des œufs, plus un jeune d'œuf. Je sais pas où il y a tellement de trucs à voir. Peut-être qu'ils sont sortis. Oh vache. Oh,
un cadavre. Oui, il a dû se transformer là. Putain, il a traîné le corps. C'est le cheval qui a traîné. Oh. En fait. Il faut un objet. Il faut que je trouve certainement. Tout ici. Il y a des bruits partout. Il fait chaud. Je ne peux pas rentrer. Ok. Si, je suppose. Je pense qu'il faut que je trouve une même ville. Dans le début du village, il porte bien son nom, hein. On y est. Hein. C'est le tuyau, je crois que c'était magnifique avant. Symbole. Ok, je peux pas faire plus de toute façon aussi. Shot. C'est fermé. Bizarre. Je sais pas, j'ai dû le suivre. C'est ici. Yes, ok. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il faut le coup du rétroviseur. Hein. Du bouquin. Un puits? C'est pas un puits. Je crois pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Génial.
Ah, attention, on s'est bouché. Ah, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Fermé suite à la disparition de propriétaire. D'accord, ok. Là, le tracteur, il bouge tout. D'accord. Oui, qu'est-ce qu'on a ici? Je veux pas savoir ce que c'est. J'ai une hôpital pour des femmes. D'accord. Quelqu'un vit forcément ici. Il y a eu un accident sur la route. Chut. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non! Ils arrivent. Qui ça? C'était quoi ce bruit? Vous avez un flingue? Quoi? Dites-moi que vous avez un flingue! Non, pourquoi? Prenez-le! Quoi on va faire? Vous allez me répondre! Putain! Oh la vache. Un cadavre. Oh non, il y en a d'autres. Bah ça promet. Oh. Il n'y a que des cadavres. Ça, c'est moi qui le dis d'habitude. Mais putain, c'est quoi cet endroit? Il y a un truc pollué au fond, mais c'est pas moi. Bouge vite. C'est quoi ce bordel?
commence faux. Ça commence très très faux. Je crois qu'il était pas tout seul. Je crois qu'il était pas tout seul. Alors, tab. Attendez pour tout combiner. Ouais, d'accord. Ouais. Ah, voilà. Plante. Ok, là, oui. Alors, couteau, flingue. Donc là, je peux faire quoi? J'ai réussi à le faire. Fabriquer un remède. Je n'ai pas de remède. Comment ça fait? Quand tu te soignes d'ailleurs, je sais pas. Oh, oui, il va être chaud celui-là. Il va être chaud, patate. Parce que là, en munitions, je suis pas super riche. Ok. Il y en a 4. 2. C'est munitions 4. Pardon. Je sors par où, moi? Je sors pas ça dans la maison, je pense. Hein. Je repasse par là. Pas de balles par là. 4 balles, ça va être juste. Alors, mais le coupe-boulon, y a-t-il un cadenas par ici? Yes, je le vois. Pas là. Ok, c'est la maison. Gucci. Oh, génial. Il y en a un autre. De toute façon, on l'a entendu. Hein. Dans le tour aussi. Il m'oblige à rentrer dans la maison. Eh oui.
tu veux. Oh purée. Bon, c'est quoi ce qu'on va trouver en haut, hein. Utiliser l'étagère pour barricader la porte. Comment on fait? Ouais, parce que je pense que ça va être compliqué. Je vais sortir là parce que là je sens mal l'histoire. Je suis encerclé, merde. Ah, est-ce que je pourrais sortir? Est-ce que j'ai une sortie? Je crois pas, hein. Je suis obligé de virer l'étagère. Déjà, il y en a un ici. Je sais pas si j'aurai par là. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, non, ils sont trop nombreux. Près des champs. Ah, je vais être obligé d'y aller, je pense. Hein. Je peux pas passer par là, j'ai déjà essayé. Là, ils ont tout défoncé. Ah, ben voilà quoi. Le couteau, ça va être particulier quand même. Mais il y en a partout. Il y en a un là, un là-bas.
Il m'attaque ou pas? Il se casse. Putain. Bah, je préfère les zombies. Hein. Des balles. On descend. Faut un coup de stress là. Faut une pression. Vas-y. Non, je pourrais pas sortir après. Vache. Un cauchemar. C'est un cauchemar. Il y en a de plus en plus. Putain. Il tire à l'arc et tout. On se casse là. Merde. Putain. Super. Putain. Oh. Le feu. Contrôle. Sois panique. Oh putain, je vois par là. Oh la catastrophe. Dépêche-toi. Yes. Ok. Comment je sors de là? Je sais même pas où je dois aller. Il a trop ce jeu. Putain. Putain. J'y crois pas. Non, non. Oh putain. Oh putain. Voilà, vache, lui il est énorme. Putain, il va me défoncer lui. Je sais pas par où tu passes hein. C'est un cauchemar. Charge hein. Voilà. Oh putain. Oh, j'ai pris une flèche. Ah,
quoi ce trou? Ça c'est dans le TVK. Il y a Grid là-bas. C'est moche. C'est une sorcière. Attendez. J'ai vu un enfer. M'étonne. Madame, restez pas ici, c'est dangereux. C'est quoi ça? Hé, hey, vous m'entendez? C'est toi, le père de l'enfant. L'enfant? Attendez, vous parlez de Rose? Elle est ici? Rose! Rose! Oui! Elle court un grand danger. Depuis que Mère Miranda l'a amenée au village, les ténèbres se sont abattues sur nous. Mais de quoi vous parlez? De ces monstres? La cloche du château annonce le malheur. Ils arrivent! Attendez, où est Rose? Qui est Mère Miranda? Le glas sonne pour nous tous. Ça y est, ils reviennent! Rose est ici? Ouais, mais j'irai pas en vacances le mois, je vous le dis. Oh mon dieu. Les fleurs. On va fouiller, qui sont partis, les affreux là. J'ai cru que j'allais y rester quoi. Ça m'a rappelé l'intro du 4. C'était pareil dans le village espagnol. Mais là, j'ai... C'était bien foutu, parce que t'as l'impression que tu t'en sors pas. Vache. Hein. Une lettre. Alors, Holy Camp, le démoniaque légendaire, venez nous dévorer, venez manger notre pas cher. Super. Ah, il y a mis un soigné. J'ai pas vu mon état de santé. Ah oui, je suis pas très bien. Effectivement. Est-ce que je peux fabriquer? C'est quoi ça? Ah, ferraille et puis poudre noire, ça fait des... D'accord, ok. J'en ai fait un. Deux. Ok. Est-ce que je me soigne bien? Attends un peu. Ouais. J'ai pas décroché. Ils arrivent, alors si les licans sont barrés, j'imagine même pas ce que c'est. Bon, ça c'est fait. Nettoyer. Voir la carte, ah oui d'accord. Ah, il y avait une carte. Carte. Intérieur, extérieur, position active, bouger.
Non, c'est pas ça. Comment on fait pour bouger? Oh, ça a l'air assez grand quand même. D'accord. Alors c'est quoi ça? Légende, je vois pas trop ce que c'est. Bon, on va continuer. T'as vite fixé, de toute façon, ici. Verrouiller de l'autre côté. Ok, ça c'est fait. Pardon. Peu de cérémonie. Château. Hein? Ah oui. D'accord. Ici. C'est tout bouché. Manuel, je l'ai pas trouvé. Pas trouvé. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah, hop là, qu'est-ce que c'était ça? Ah, d'accord, donc tu peux fabriquer tes munitions. D'accord, ok. Munitions. Ok. Hop, logiquement, j'ai des... non du tout. 27, c'est une mission de flingue. Ok. Je vais me soigner un peu. Oh, save. Ça s'ouvre pas. Alors, ça s'ouvre pas. Là, j'y étais, là, j'y étais. Cimetière. Ok. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est cher, on protège notre village et ses habitants de mauvais oeil. Quiconque le détruira subira la colère de Madame Miranda. Blasphémateur. De toute façon, ils vont vouloir me bouffer, alors je vais pas. Visiblement, deux pièces à récupérer. Pour ouvrir l'accès. On dirait pas du château, j'ai l'objectif. Ok. Donc, il y a deux pièces à trouver. On va chercher tout ça. Ah, ici on a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Une plante. Ok. Alors, si on passe par là, ça va où ça? Votre cimetière Syrie. C'est le portail. C'est vaste. C'est super vaste. Je sais pas si on peut y aller. Non. Ok. Là, c'est fermé, je pourrais continuer par là. On va faire la baraque. Oh. Oh. Économise les balles, si je commence à tirer comme ça, ça va pas le faire. Hein. C'est quoi ce truc? Église? Louisa. Ah, chez Louisa. D'accord. Ok. Ça, c'est la save. Ok, donc là, je sais pas trop le choix, je me dis ça.
Ah d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Je vais essayer de mettre le pièce que j'ai trouvé. Ah ouais. J'imagine que ça mène au château. Ça, j'allais rentrer. Attends. Ok, il me manque juste sa tête. Une pièce. Ouais, mais là ça va pas être simple à trouver. Parce qu'il faut que je traverse, il y a des loups-garous partout. Je mets la mine. Pour le coup, en fait, se soigner parce que attends, c'est ça la santé. Comment je vais me débrouiller là? Tu vois bouger le truc, mais tu sais pas où il est. Ils sont chauds, chauds patata. Faut charger. Sont tous mon gars. Oh putain, j'ai pris un coup de chasse.
Ouais, trésor en votre possession. Chien. Hein. Est-ce qu'on peut faire du médic? Je peux pas. C'est quoi? Une sur pistolet. Ok. Ok, bon. Ça ne me pas. Tombé sur des gens normaux. Vous avez vu d'autres survivants? Non. Ils sont tous chez Louisa. Elle ne répond pas et le portail est fermé. Tais-toi. Il n'est pas d'ici. Oh. On n'est pas en sécurité ici. Votre père peut marcher? Non. Un de ces monstres l'a blessé. Il a perdu beaucoup de sang. Il faut qu'on aille chez Louisa. Moins fort. Il doit y avoir un accès. Restez ici, sans faire aucun bruit. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail. Oui. Comment il va s'en sortir, lui? Il va se transformer, lui, c'est sûr, hein. Moi j'ai des balles de pistolet, j'ai toujours pas la bonne nouvelle, hein. Putain, mais je l'ai zappé ou quoi? De noir. Voilà. De chimique. Ah mais j'ai contourné le portail, donc je dois être chez Louisa. Toute famille. Marche pas. Ah mais c'est la partie qui me manque. Ah il me faut tout pour l'ouvrir. Ok. C'est la suite de celui que t'avais essayé. Quand la gonzesse te coupe la main, à un moment donné ta graisse elle est possédée, elle te met des coups de hache. Faut que je fasse entrer les autres. Et comment tu... Ah, déverrouille le portail, c'est ça. C'est ça de rien. Il n'a pas l'habitude de compter sur les autres.
suis désolée. On sera à l'abri ici, n'est-ce pas? Ouais, ce sera mieux qu'à l'extérieur, ça c'est sûr. Hé, hey, vous avez une idée de ce qui se passe ici? C'est à n'y rien comprendre. Mère Miranda nous a toujours protégés, mais... Personne ne répond. Papa! Il faut qu'on entre. On va ensemble. Il faut que tu t'accroches, papa. Eh oh! Y'a quelqu'un? Elle reconnaîtra ma voix. Louisa, ouvrez! C'est moi, Elena! Arrête de crier! Tu vas attirer les monstres! Liliane, du calme. C'est qui, lui? Mon ami! Laisse douter. Papa! Je t'en supplie, Julian, laisse-nous entrer. Ils vont sentir le sang. Vous nous mettez en danger. Mon père a besoin d'aide. C'est pas mon problème. Que se passe-t-il? Ces gens veulent laisser entrer un homme mourant chez nous. Allons, ces gens sont nos amis. Allez-y, entrez. Venez, par ici. Vous n'êtes pas de ce village? Non. Moi, c'est Ethan. Julian, rends-toi utile et va faire une ronde. Qu'est-ce que je viens de dire? Bien. Si Elena vous fait confiance, alors moi aussi. Entrez, Ethan. Restez ici. Je vais voir les autres. D'accord. Et moi, je pue. C'est ça? Une partie du bétail a encore été tuée. Si ça continue, nous ne passerons pas l'hiver. Quant à Ernest qui disparut, nous n'avons toujours pas retrouvé sa trace. Mère Miranda nous aurait-elle abandonné? Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Photo. Suivez-moi. Pipé, je suis en train de bouclier. On va prendre une plus. Je vais essayer de sauvegarder quand même. Allez. Les plantes, que dalle. En tout cas, il est magnifique. Hein. Graphiquement, c'est vrai que c'est très fort. Venez, les autres nous attendent. Ah. C'est qui, lui? Un étranger? Vous allez tous nous faire tuer! Anton, du calme! Il a aidé Leonardo et Elena. On s'en sortait très bien sans lui. Venez, Ethan. Asseyez-vous. Vous êtes les seuls survivants? De tout le village? Les seuls survivants? Les seuls survivants? Y a pas de survivants! Un pauvre invalide! Une conne qui arrête pas de chialer! Et vous? Vous faites entrer un type en sang et un étranger comme si de rien n'était? Et vous pensez être à l'abri? Personne n'est à l'abri! Tous les connards dehors se sont fait triper! Et demain... Demain, on sera tous morts. Comme son putain de mari. Mais la veilleuse, Roxana! Ça suffit! Cette maison a protégé ma famille durant des générations. Et ivre ou non, chacun est le bienvenu et en sécurité ici. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici, à la fin? Nous l'ignorons. Nous étions un village pieux et tranquille, mais du jour au lendemain, ces monstres sont apparus et nous ont attaqués. Et puis, il en est venu d'autres... Attendez, Louisa. Où est votre mari? Ils l'ont... Non. Non, non, il est dehors. Quelque part. Il est parti chercher de l'aide. Yeah. Oui, oui, voilà. C'est ça. Il cherche de l'aide. Prions. Pour lui. Pour nous tous. Bonne idée. Venez.
approcher. Qu'est-ce qu'il faut? Ô puissant, entendez-nous. Unis ensemble dans la prière. Nous vous demandons, depuis les ténèbres infinies, de nous guider vers notre destin. Quand la lune de minuit s'élève portée par des ailes noires, nous faisons notre sacrifice et attendons la lumière salvatrice. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire, Mère Miranda. Bien, le thé doit être prêt. Aide-moi, Elena, veux-tu? Cette prière, je l'ai déjà entendue. Une vieille femme près du cimetière. Cette vieille sorcière. Elle est juste complètement timbrée, celle-là. Sa dévotion n'est pas dénuée de sagesse. Et j'espère que ça la protégera tout autant que nous. Putain, mais qu'est-ce que tu fous? Leonardo. Oh putain. Ça ne va pas? Papa! Elena, non! Restez là! Non! Laissez-moi! Il va nous tuer! Il va nous tuer! Venez! Vous avez fait le bon choix. Elena! Elena! Non! Il n'y a plus rien à faire! Papa! Tu risques de s'effondrer! Non! Vous ne pouviez pas le sauver. C'était déjà trop tard. Laissez-moi seule! Non! Non! On va sortir d'ici tous les deux. S'échapper de la maison. D'accord. Ok. Est-ce que je peux... Ah oui, mais il y a le feu qui... D'accord. Oui, oui, il est un truc vraiment. Ok. On va se dépêcher, je crois. Oui, ça va. Je suis pas sûr que ça... sur le fric. Prends celui qui est dans la porte-clé. Quand je fusille, sans reload, ça sera fait, on ne sait jamais. Ok. Où est le porte-clé? Tout. Ah oui, le feu a bien pris. Merde! Ah, le feu gagne du terrain! J'ai une pick-up.
Vous allez faire quoi? Reculez. Je vais tenter quelque chose. Essayez. Ça brûle. On n'a plus le temps. On n'a pas le choix, faut monter. Venez, vite. Allez. Ça va aller. Essayez de pas respirer la fumée. Je sais. Merci, Ethan. C'est gentil. J'espère que votre famille est à l'abri. Mais moi aussi. Une fois dehors, je vous la présenterai. Avec plaisir. Non, c'est bon. C'est bon, ça va tenir. Là. On va sortir par là. Dieu merci. Mais après, le village est infesté de monstres. On peut pas les affronter. Il y en a trop. Non, non, non. Tout va bien se passer. On va trouver une maison où vous serez à l'abri le temps que je trouve ma fille. Quelque chose me dit qu'elle est dans ce vieux château. Non. Là-bas, vous ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort. Et je veux pas rester seule pendant que vous... Papa ? Oh putain. Elena, c'est trop tard. C'est plus lui. Elena. Oh. Il me reconnaît. Papa. C'est trop dangereux. Oh putain. Bougez pas. Tenez. Attrapez ma main. Il est foutu. Ethan, partez. Sauvez votre fille. Elena, non. Regardez-moi. Donnez-moi votre main. Putain de merde! C'est cuit. Mais pourquoi est-ce que tout le monde meurt? Elena... C'est horrible. Ça résout le problème, hein. C'est un cauchemar. Mais pourquoi ça commence ? Est-ce que j'ai pas la clé pour... Ah, tourne vis. Effectivement. C'est fait.
Il a peut-être laissé un fusil ou des munitions, ou je sais pas moi. Il est disparu. Ah, c'est ici. Il n'y a rien ici. Je peux passer. Ouais, je suis passé. J'ai passé par là. Hein. Bon, voilà, de quoi déverrouiller là. Allez, il y a Mimi là. La mort. Oui. La mort leur a tous rendu visite. D'accord. Je crois que c'était par là que j'étais passé. Yes, on s'ouvre. Rien d'autre que le sang et la mort. C'est ce truc. Comme qui s'est coupé. Sous le pont, je peux y aller. Ok. Bon, là, c'est l'entrée du domaine, là. Arrête de geindre, on y est presque. Aucun d'entre vous n'a besoin de cet homme, et mes filles adorent s'amuser avec les étrangers. De plus, je vous promets que si vous confiez ce mortel à la famille Dimitrescu, mes filles vous chargeront d'un Donc, en gros, fermez-la, vous deux. En gros, tu vas le garder juste pour toi, et nous, on s'amuse quand? Laissez-le moi, et j'organiserai un spectacle dont tout le monde profitera. Oh, je t'en prie. Qu'a-t-on à faire du pain et des jeux? En tout cas, je peux vous garantir que cet homme... Oui, on sait, il va perdre son petit oiseau à la porte du château, blablabla. J'ai entendu tous vos arguments. Certains étaient moins convaincants que d'autres, mais j'ai pris ma décision. Heisenberg, le sort de cet homme est entre tes mains. Mère Miranda, permettez-moi de protester. Heisenberg n'est rien qu'un enfant, et son dévouement envers vous est discutable. Confiez-moi ce mortel, et je veillerai à ce qu'il soit prêt.
Ferme ton claque-merde et sois pas mauvaise joueuse. T'iras chercher ta bouffe ailleurs. Tais-toi, petit morveux. Les adultes discutent. Morveux, c'est toi qui contestes la décision de Miranda. Je n'ai absolument aucune leçon à recevoir. Ah, c'est ça, continue à grandir. Ta tête rattrapera peut-être ton ego. J'ai peut-être mon mot à dire, non ? Silence ! Ma décision est sans appel. Inutile de discuter. N'oubliez jamais d'où vous venez. Merci, mère. Lico ! Les messieurs, merci de votre patience. Et maintenant, place au jeu. Nous voyons ce que je vous montre, Ethan Winters. T'es prêt? Non. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, que le spectacle commence! Oh, vache. Ah, putain de merde! Oh. C'est ça! Cours pour ta vie! Oups, c'est bon. Interagir. Yes. C'est très bien, Ethan. Putain. Seigneur du village. Ah, putain de merde! C'est ça. Cours pour ta vie. C'est très bien, Ethan. Je me trouve. Ok. Merde! Ça alors, tu es vraiment aussi fort qu'on le dit. Putain, mais où c'est que je peux me planquer là? Attention, ça va saigner.
Rien de tel que la viande à chier américaine. Ces barges qui ont rose. Qu'est-ce qu'il y avait à ramasser ? Ok. Ils ont leur balèze, les boss là, ça va être chaud. Hein. Oups. Il y a plusieurs qui ont joué, je crois. Ok. C'est plié, je peux pas y aller. Ok. C'est pas bon. Je reviens au début. Ok, je reviens là en fait. Oh. L'ambiance. Que je peux faire du médoc. Yes. Ça en fait combien? Juste un? Bizarre, ça, je n'ai plus que ça. Une bouche à tour, du coup. Une tour, là, c'est plus haut. Vous savez, je vous attendais, monsieur Winters. Vous connaissez mon nom ? Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de vous ici. Un héros qui est à la recherche de sa fille. Je dois bien admettre que ce château a quelque chose de suspect. Ouais, un peu comme vous. Je ne suis qu'un humble marchand. Ici ? Je me présente, je suis le duc. Parlons affaires, armes, munitions, remèdes, tout ce que vous désirez, vous le trouverez chez moi. Allez-y, n'hésitez pas à acheter un œil. J'ai du nouveau en stock. Besoin d'argent ? C'est pourquoi dans moi ? Ah oui, d'accord. Sont objets de valeur. Ouais, pour l'instant, atelier. Oh. 6000. Ah, c'est pour les, ouais, améliorer les armes. Ok. Ah ouais, d'accord. Salut Dido. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? D'emplacement, ça c'est... Bah écoute, Yuki qui est passé, Shatun qui est passé, Bad était là, je crois. Munition de fusil sniper. Charge capacité, longue capacité...
De gradement de cadence de tir, d'accord. Ouais, mais c'est cher tout ça. C'est très très cher. C'est un investissement, Ethan. Soyez prudent. C'est très cher. Ouais, alors, ouais, c'est même plus grave que ce que je pensais, parce que moi je pensais, oui, au pire c'était ça. Au moins le pire c'était le disque qui sortait, mais il a dû rester une partie coincée à l'extérieur, ça a dû se refermer dessus, et ça fait une hernie. Donc là, tu m'étonnes que le garçon il avait mal. Après, il faut bien se renseigner, Dido, parce que. Attention au dos quand même, hein. Oh, peut-être qu'au départ, ils vont tenter un traitement pour la faire sécher. Je te dis. Souvent, j'ai un bon diagnostic. Ouais, parce qu'ils veulent pas toucher au dos, parce que si tu veux, il y a eu trop de. Des fois, c'est pire. Donc ils vont essayer, tant qu'elle n'est pas paralysante, parce que là il y a une hernie maintenant, donc ça veut dire que il va faire la sciatique, il va faire, parce que ça va appuyer sur le nerf. Donc tant que c'est pas paralysant, ils vont pas l'opérer dessus, je pense pas, à moins qu'elle soit vraiment mal placée. Ouais, mais tu sais, Dino, le problème, enfin, du bois, mais c'est évolutif ces trucs-là. En tout cas, ça peut. Partir, si c'est pincé, il faudrait que ça se débloque et que le disque rentre. C'est peu probable. Ce qu'ils font souvent. Ouais, en fait, ils vont lui donner un traitement pour la sécher. C'est que là il va être très fragilisé. Est-ce que Rose est ici? Putain, c'est la photo, elles sont. Bella, Cassandra et Daniela. À mon avis, on peut rester comme ça. On va enfin rentrer dans le château. Je sais pas si je peux péter ça. Ah oui. Ouais, et c'est faire sécher, puis après, si elle est gênante ou si elle pose problème et qu'elle se résorbe ou pas, ben, ils vont. Malheureusement, c'est souvent le début des ennuis. Je veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, hein, mais. Ah, appuyez, je peux descendre. Là, c'est pas forcément une bonne nouvelle, ça. C'est pas une bonne nouvelle du tout. Les hommes d'un homme et de trois femmes, Miranda, tu tiens, madame Mitrescu, le duc, mais c'est une affaire, ok. Oui, ça va soigner, mais le problème c'est que. Enfin, c'est des trucs où je suis passé par là. Donc. Et je vois comment ça s'est passé, ça s'est terminé. Traitement d'abord. Non. Je suis pas passé sur le billard. Le problème c'est que tu sais comment te dire. Quand tu as un problème à un endroit, quand tu le corps. C'est automatique, il va compenser autre part. Et donc en fait, quand un souci est comme ça, souvent ça se dégrade de l'autre côté. C'est ce qui s'est passé, mais c'est avec elle. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il. Voilà.
Le problème, c'est que je veux pas te miner le moral, c'est pour ça que je j'y vais mollo. Le problème, c'est que tu rentres dans un système là. C'est atroce. Parce que les cachets. Il va avoir mal. Et c'est le problème de l'hernie, c'est que s'il y a l'hernie, c'est elle est restée à l'extérieur. Et donc, au niveau des cachets, il va monter forcément en gamme. Avec le temps, je parle. Parce que le corps s'habitue. Moi, j'ai réussi à m'en défaire. Hein. Mais t'es quasiment. Tu sais que tu peux être drogué. Ils finissent par te. Moi, je suis passé par tous les traitements. Jusqu'au plus dur, jusqu'à la morphine. Et après, j'ai essayé avec le temps de m'en défaire, quoi. Maintenant, j'essaie de faire sans médicaments, mais ça demande du temps parce qu'il faut s'habituer à la douleur, il faut s'habituer. Ah oui, ça te crée des blessures. Hein. Ah oui, la morphine, c'est pas ça, c'est pas. Donc, attendons de voir. On va voir s'ils peuvent la sécher, la traiter. Peut-être ça arrive. Des fois, ils arrivent à les traiter. Ça arrive. Ils arrivent à les faire passer. Mais le pauvre, tu lui enverras toutes mes pensées. Et en plus, il a quel âge? Parce que je crois que ça a commencé, moi, à cet âge-là. Voilà. Voilà, ça c'est. Ça a commencé là, moi, et si tu veux, problème de disque. J'ai compensé avec le reste. Ouais. En plus, moi, j'avais un boulot physique. À cette époque-là, j'étais en intérim. J'ai tout cassé, moi. Pas trop dans le patron. Et je faisais un boulot physique, et du coup, j'ai compensé, j'ai continué comme un âne, j'ai continué à travailler, parce que t'en pas t'es mieux, mais tu t'abîmes quand même. Donc j'ai fait une hernie inguinale. Je tenais pas le travail. Tu vois, en plus. Sacré baraque, hein. On va voir, on va attendre. Ouais, j'étais opéré, je vais rester une heure et demie sur l'IA, j'avais jamais été opéré de ma vie. La famille commence à s'inquiéter, je suis resté 2h30 sur l'IA. Et le mec, il pensait qu'il y avait. Qu'il rentrait le poing, en fait, il rentrait deux poings. Hein. J'avais le muscle déchiré, mais. Et du coup, il m'a mis une plaque. Hein. Donc, c'est pour ça que depuis Tony Glandy, c'est du béton. Putain. Sur quoi je vais tomber encore? On va remonter. Restitue le visage. Je peux t'en dire, hein. Tu cherches Rose? Le sang d'un homme. Mère, voici une nouvelle proie. Vous êtes si gentilles, les filles. Bien, jetons-y un œil. J'ai dit ça, alors, Ethan Winters. Tu as survécu au jeu de mon idiot de frère, à ce que je vois.
Voyons voir ce que tu as de si spécial. Bien, mère. Bien, mère. Ah, ah. Il commence à perdre de sa salle. Alors dévorons sa chair sans tarder. Mais c'est moi qui l'ai capturée. Pas si vite, les filles. Je dois d'abord prévenir Mère Miranda. Mais ensuite, il y en aura bien assez pour tout le monde. Accrochez-le. Non, attendez. Je fais tout ce que vous... Oh, fais attention à ce que tu dis, Ethan Winters. Faites-moi descendre. J'étais partagé parce que... C'est... ouais, il est quand même... Qu'est-ce que je peux faire, hein? Ah oui. F1. Putain. C'est le trésor à revendre, ça, je pense. Et ouais, donc, je disais, il faut croiser les doigts pour que ça fonctionne. On avisera à voir. Si tu veux que je fasse mon pétard à deux balles, moi. Je voudrais ça. D'accord. Excuse-moi, mais je trouve qu'ils ont été très très longs. Mec, bon, après, tu vas me dire, tu sens pas comme ça, mais le pays, il a jonglé, quoi, quand même. Arrêtez. Hein? Terrain. Ils ont donné quoi, là, pour, comme antidouleur? Mal. Ça me parle pas. T'as regardé la compo? C'est quoi? C'est des opiacés? Ça aussi. Je l'ai eu. L'accoutumance aux opiacés, c'est pas crevé. De charge comme ces opiacés. Ouais, c'est ça. C'est 4 milliards.
Je rigole, mais c'est vénère, hein. Vache. Il a dû souffrir. Je sais pas si je passe par là ou si je continue là. Mais je peux te dire que... Ok. Je peux te dire que tu jongles. Où est-ce qu'elles ont emmené Rose? J'ai pas vu ça, si. Ah, si. Attends, parce qu'il y a un texte. Ah oui, oui. Oui, parce que c'est là de la route et tout. Non. Après, le problème, c'est qu'il... C'est qu'il va falloir qu'il bouge un peu, ouais, parce que 100 km par jour. Il ne pourra pas avec une disque là. D'accord. Ah oui, non, non, mais 100 km par jour, c'est trop. 4 ans, là il a. Alors, est-ce que je peux ma bague, moi? Non. Je sais pas si vous insérez là-dedans. Une bague, c'est une enfant d'œil. On pourrait facilement enlever. Attends, on peut pas le. Non. Ouais. Comme nous nous retrouvons. Vous, qu'est-ce que vous faites là? Les affaires sont les affaires. Avez-vous retrouvé votre fille? Non. Si elle est vraiment d'ici, il y a de fortes chances que la maîtresse du château la garde dans ses appartements privés. Ne pensez-vous pas? La maîtresse quoi? Elle-même. Pourquoi ne pas jeter un œil? Sait-on jamais? En parlant de jeter un œil, regardez ce que j'ai en boutique. Bienvenue. C'est toujours pareil, sauf que j'ai pas de thunes. Hein. J'ai pas de thunes. Ne faites pas attention à moi. Objet de valeur. Je sais pas s'il faut vendre. Je pense que oui. Je pense que oui. Un crâne. Ok, un crâne. 6400. Très bien, j'achète. Des soins, j'en ai. Qu'est-ce que t'achètes? C'est ce qu'un vieil ami avait l'habitude de dire. C'est quoi ça? Six mille, trois mille. Comment on fait? Non, un million. Ouais. Ah d'accord. Niveau de 6000. Putain, vache. Puissance, rechargement, capacité. Oh, elle reste tombée. Mille, rechargement. Puissance, hein. Alors, on monte la puissance, le flingue plus souvent du 9000 mètres que du reste. Hein.
Je suis plus habile de mes mains qu'on pourrait le croire. Ok, pourtant j'ai pas assez. C'est quoi, c'est trop cher. Vache. Pour soigner, mais j'ai une chance. Revenez quand vous voulez. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il faut y mettre là? Ah, il a ça, il a. C'est les billes qu'il faut mettre. Ah ok, il faut faire passer les billes dans le truc. D'accord. Ok. Bon. Donc. Trouver les appartements de Dimitrescu. Ça peut s'appuyer. Sébastien. C'est pas ici. Je suis passé. Et ici, je sais pas si je suis descendu, je crois pas. Je suis pas là. Faut se repérer là. Du sang. Ok, le fusil. Est-ce qu'on peut passer par là? Ok. On va monter, hein. Ok, on donnera ce côté effet. Ça s'est fermé. Ici, je peux passer ou pas? Non. Oui. J'ai la boue. On est là après. On finit de fouiller tout ça. Je l'ai l'œil en plus. Hein. Je l'ai l'œil. Je l'ai l'œil.
Oui, parce que... Il est dans la... On va battre, mais je n'ai pas réussi à l'extraire. C'est con, je l'ai trouvé. Attends, est-ce qu'on peut pas le regarder? Non, je peux pas le regarder. Voilà. Je vais pouvoir ouvrir la pièce là. J'ai pas dit c'est qu'il y a un homme. Laisse-moi te prendre, te trancher la jugulaire et regarder. Capturer mort ou vivre, tu préfères quoi? T'es en vache. Une fois empaillé, tu décoreras le haut. D'accord. On va passer en pompée. On va se poser des questions. Tu viens? Oh, je ne peux plus me retenir. Mal. Putain, j'ai pas la clé. On se passe de là. Ça, fight direct sans armes en plus. Oui, comme ça. Et où? Putain, je suis pas assez équipé pour combattre. Je peux pas la tuer. Je suis pas assez armé pour la combattre. Je suis un petit trop tôt ici, je pense. Sortir. Qu'est-ce que ça fait?
son. Ouais, ça, ça pue du... ça sent le pâté. Ouais, je sais pas ce qu'il faut. Pas ce crucifix, j'ai rien. J'ai deux balles. Enfin, je suis rentré trop tôt, je pense. Tab. On va essayer. Est-ce que je peux fabriquer? Il y a le couteau. Il n'y a pas de chapitre là, c'est tout la suite. Ça va être compliqué. C'est pour tout. Oui, c'est ça. Oui. C'est le premier fight de boss en fait. Une fleur dessus. Vraiment. Puis je peux même faire quoi. Couteau, qu'est-ce que tu veux faire, couteau? J'essaie de te le montrer. Vas-y. J'ai consommé toutes mes balles et tout. J'ai réussi à me barrer. Moi j'ai plus d'armes par contre. Hein. Si. J'ai tout consommé là. C'est moins de deux personnes. Si j'avais su, tu vois, j'aurais tracé, je regardais une mission, mais soit. Et là, j'ai no fight, quoi. Ça, c'est le problème. J'ai plus que... Ouais, comment on dit, moi. Et moi, et mon goutteau. C'est qui? Oh putain, c'est là. C'est le boss, c'est la boss. Faut que je tourne tout pour les tuer. Hein. C'est mon pistolet. Ça, c'est bon, Lara. On va fouiller un peu quand même. Ça va coûter pas mal de munitions. Attends, je suis allé par là. La porte va être fermée, je suppose. Hein. Voilà. Et je fous comme par là, moi. Une caisse. Peut-être que je peux faire un soin, c'est pas dit, parce que je suis mal. Yes. Qu'est-ce que c'est que cette pièce?
Il faut... Ça fout le feu au côté ou quoi? Ça? Ouais. Voilà. T'as envie de comprendre, hein? Mais sinon... Ok. Cette fresque magnifique, hein. Oui, et comment te dire? Je vois rien, quoi. Je vois rien. Ah, il a une lampe de poche, t'aurais pas pu le dire avant. Ah, c'est même pas la chaise. Ouais, on va essayer de voir ça. On peut allumer là. C'est super. C'est couvert de sang séché. Dis bien en tout cas. Je n'ai entendu parler en bien, mais ça, c'est costaud. Et le Bunny Brother. Et moi, mon frère. Ok. Mon frère. J'ai pas vu de chariot, dis donc. Oh, dégueulasse. Ok. Une torture, oui, effectivement. Ouais. Candidate, Irina, Mihaela, Louis, Ingrid. Rejeté. Naga. Particulier. Est-ce qu'on va trouver des trucs intéressants ici? Je ne pense pas. Ah mais c'est quand même... Il a été rejeté, je pense. Oh, c'est le garde manger, c'est une torture plutôt. C'est mieux là, mes petits bras, c'est bien. Parfois qu'on se lance ça. Ok. D'accord. Il y a un truc qui m'attend là. On est bien d'accord. Hein. Ça c'est... Sérieux? J'ai...
Ah, j'ai pas vu ça dans un déchet. T'es sûr que t'es au bon endroit du tout? Oh putain. Ça pue sévère. Oh putain. Explosif. Là. Covid et oublie de. Non, mais je veux pas savoir. Ah bah oui. Ça va être chaud. Que l'autre, je te le dis. Il est plus chaud que l'autre. Hein. Putain, ils sont où? Je suis dans le dégoût maximum. Bombe tuyau. Faut que je fasse pas les bombes tuyaux. Je l'ai déjà, ouais. Donc du coup, tu fais quoi avec? Comme tu vois, tu avances dessus. Ouais, là je l'ai, ouais. D'accord, bon, c'est ça en fait. Hein. Faut le rebalancer dessus. Allez fille. Allez. J'ai un truc ici. Ça coûte des sous, ça. Putain. Ok, il est des sous. Et c'est ouvert. Putain, bordel. La mort a plusieurs, ouais, je l'ai eu le succès. Merci, Lido. Ils sont toujours là.
j'ai l'impression. Hein. Qu'est-ce? Nous n'en serions pas là si Cassandra t'avait tué. Oh putain, m'ont enfermé. Oh, c'est reparti la poursuite. Arrête de faire ça, je peux pas voir le chemin. Aïe 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 aïe. Tu es au menu. Aïe 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 aïe. Je sais pas s'il faut la combattre ou pas. Putain. Ok. C'est beau, l'innocence. Il me faut du sang chaud, humide, du sang bien rouge. Où est-ce que tu vas, petit coquin? Tes balles ne font rien du tout. Espèce d'imbécile! Oh putain. Mon sang, il se décompose. Comment oses-tu t'attaquer à nous? Impossible! Cochon. Ah ouais, là, c'est tout. Là, c'était... J'ai pas utilisé de soin. Non. Si, c'est plus. Oh, il est top. Franchement, il est top. Ici, je suis arrivé à... C'est sans compagnie, la tripaille. Oh. Oh, les effets de lumière et tout, c'est... Déjà, le set était très fort joli. Mais... C'est de valeur, ça. Ça avait des serviteurs humains, ok. C'est bizarre, j'ai pété la fenêtre avec la lumière. Ok, c'est fait tellement sombre. Coffre là, ça serait une arme ou alors. Hein. Comment tu fais l'arme, hein? Check-in, trésor. Bouger. Comment tu fais l'arme, hein? Ok, alors je sais pas ce que ça fait. Mais je suis entré par là donc logiquement un crochet.
crochet, je peux l'utiliser peut-être là. Ça, c'est du collectif à revendre, ça, je pense. Ouais, remarque. C'est une bonne idée. Je me souviens plus trop, est-ce qu'il faut ramener... Je suis passé déjà. J'ai fait le haut, j'ai déverrouillé ici. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? 5 ici. Non, ça marche pas. J'ai oublié un truc. Par où je suis arrivé. Attends. Je suis pas de duo, je crois. Je suis arrivé d'ici. J'ai oublié un truc. En hauteur. Je vois rien sentir où. Ah oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? On tire dessus? Oui. Ça se revend. J'ai pas fait, je suis pas sorti par là. Oui. Il faut une clé. Ok. Bon, c'est fait. On va bouffer. Là, il n'y a pas de porte. Ça redescend, ça remonte. C'est jamais. D'accord. Là en fait j'ai tout le... je suis ici. Il y a la salle du marchand, un vestibule que j'ai pas ouvert. Il y a un couloir aussi. Cuisine, salle à manger. J'ai pas tout. Ouais, je peux monter ouais aussi. Ouais. Je crois que c'est par là. Habitation, passage souterrain, intérieur pour l'instant, le carnet. Ouais.
là il parle de journal. La boutique, hein, machine à écrire. Les trésors. Ok. Les objets clés. Les objets. Matériaux, interne, les objets destructibles. Déplacer les tâches à pouvoir. Ok, ouais. Se soigner. Recharger, protéger. Ok. Courir, puis attaquer. Contrer la vue. Ok, on a tout vu. Documents. C'est tout ce que j'ai lu. Ok. Et après la note. Note. Ok. De toute façon. De toute façon, on va pas tarder à sauvegarder. Hein. Il n'y a pas de chapitre, alors du coup, je vais regarder la soluce un peu pour savoir où on en est, mais c'est difficile de se repérer. On va dire que j'ai tué la première fille. Ouais, je peux monter un peu, ça me changera de carte comme ça. Non. Ah non, on fait tout sur le même truc. Ok. Si je monte... Je peux peut-être pas le faire pour déclencher un truc. Je vais aller voir le marchand. Alors. Oh oui. Je vais vendre des trucs. Un fragment. Un crâne. Et en plus de cristalliser. Reste cristallisé de l'une des filles. Donc c'est une fille. Hein. Samila. Ange en bois. Ok. Colis d'Ingrid. Objet de valeur. 12 000. Donc ça. Ça sert à vendre. Ok. Déçu vraiment? Ça me paraît pourtant parfaitement honnête. Ça c'est fait. Mission pour pistolet, les mini, c'est quoi? C'est le flingue. Le fusil. Ok. Jetez un coup d'œil à mes derniers articles. Parce que je sais déjà, c'est pour ça. Ah. Mission sniper, les mines, c'est pour apprendre en fait à fabriquer. Après, tu t'as pu acheter. Ça, c'est pas bête. L'atelier, c'est pour améliorer. 8000 pour améliorer le fusil. Ça, ça m'intéresse de fabriquer les munitions moi aussi. Parce que. Ouais, l'emplacement aussi, plus tard. Ouais, tu peux prendre les fers. Hein. Ouais. Ouais, ouais, tu peux prendre les fers. Hein. Mais ça, c'est intéressant. Le flingue, bon... le flingue, je crois que je l'ai fait déjà. Ah oui, le flingue standard, tu les fabriques tout seul. Le pompe, il déboîte, ouais. Et après, t'as un fusil sniper, apparemment. Je peux modifier toutes sortes d'armes les yeux fermés. Et je le fais pour une somme modique. Ok. Prévenez-moi si vous trouvez autre chose de valeur. On va se poser ici, on va faire une save. Combien j'ai de jeu? 2h16?
l'impression que j'ai joué plus que ça. Ça là dessus. Bizarre, ça veut dire 16. Ok. Bon, on est bien. De toute façon, on va y être pour plusieurs jeudis là, je pense. Alors. Ouais, on va se le faire sur plusieurs jeudis, ça va durer un moment, je pense. Ah, il est vraiment top. Ouh là 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 là. Vraiment top. Elle quittait. Delette. Delette, c'est chaud. Delette, ouais. Quitter bien vu c'est rare que sur les jeux il te fasse couper le jeu avec des lettres avec ce touche là, c'est très rare, c'est chaud, c'est la première fois que ça m'arrive. Ben ouais, en général ça échappe. Ouais, c'est bien supprimé en dessous d'insert. Ah ouais. Ouais. Oh, tous les mecs qui arrivent, oui, forcément. Comme quand je joue, ils sont mute. J'ai pas consulté pas des chatons, je sais pas trop s'ils sont là. Je pense que oui pour GTA. Je prévois quand même autre chose, on sait jamais. Parce que c'est une dernière ça. C'est compliqué. Et puis voilà, puis on va faire deux mètres derniers jours de la semaine. On est en week-end après. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ça va faire du bien, c'est une chargée. Mais bon, t'es parti. Ah oui, quand il se couchait. Bon, écoute, t'es fatigué. Il se repose. Il anticipe pour demain. Et samedi, FF. J'ai tout dit, oui, mais il y a un donjon. Le donjon va durer 10 minutes, on va se taper. Voilà. Bon, Dito, bon courage pour demain, oui. Dernière journée de la semaine. Et puis, il fait des grosses bises à Francis, il en a besoin. Allez, bonne nuit. À demain pour GTA, Chatoun, Badéox, peut-être. Bad. Du bon. Ciao, ciao, à demain.